Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode La cicatrice. Cet épisode a été écrit par Sarah Davinson et Tony Perling et a été réalisé par Gwen Arner. Enfin un épisode sur Lorraine. Jusqu'à présent, il était montré comme un vieux bougon qui n'aimait personne et qui ne faisait que râler, avec quelques moments de douceur mais vraiment très peu. Alors que dans cet épisode, on traite vraiment de sa nature profonde et des événements qui l'ont rendu aigri. Ça permet également de mieux connaître Sully et son histoire avant que Michaela n'arrive en ville, et j'ai vraiment trouvé ça bien de ne pas en avoir parlé avant pour justement laisser un certain mystère autour de son personnage. Je pense que c'était vraiment le moment idéal pour en parler, puisque sa relation avec Michaela commence à évoluer vers une relation plus qu'amicale. On voit justement que Michaela est attirée par Sully sans le dire et qu'elle aimerait bien que sa relation avec lui évolue, mais on voit bien qu'il est retenu par son passé. On sent vraiment un amour naissant entre eux, mais qu'il n'ose pas se l'avouer. D'un côté, on a Sully qui est retenu par son passé et de l'autre, on a Michaela qui a peur de révéler ses sentiments. En parlant de Michaela, elle est particulièrement douce dans cet épisode, je trouve. Elle n'est pas trop mise en avant et elle se mêle pas vraiment de ce qui ne la regarde pas. Et j'aime beaucoup son personnage quand elle est comme ça, parce que justement ça laisse de la place aux autres personnages, tout en la mettant en valeur et en l'incluant dans l'histoire. Mais les feux des projecteurs ne sont pas centrés sur elle et du coup je trouve que ça fait beaucoup plus naturel et je trouve ça plutôt pas mal pour pouvoir mettre justement en lumière des personnages plutôt secondaires mais qui sont tout autant importants. C'est un épisode qui parle de traumatisme, de perte et des conséquences que cela peut avoir, et surtout de pardon. On voit que Sully et Lorraine ont malgré tout un certain attachement l'un pour l'autre, même s'ils ne se l'avouent pas, et quand on compare avec la relation qu'ils auront à la fin de la série, je trouve ça d'autant plus touchant, parce que cet épisode est vraiment le point de départ qui amènera à une longue évolution vers une relation de respect et même une certaine forme d'amour paternel. Ça permet également de mieux connaître Mademoiselle Olive, parce que c'est vrai qu'on la voyait plus comme une femme froide et peu aimable, alors que dans cet épisode, on voit vraiment son inquiétude, et ça dévoile une femme forte et finalement assez sensible, qui se cache derrière sa froideur. Et finalement, la relation qu'elle a avec son frère est très belle. Elle fait partie de ces relations où les mots ne sont pas utiles pour exprimer leur amour. Dans cet épisode, on voit également que Michaela et les enfants doivent quitter leur maison, et à travers ce déménagement, on se rend compte que Michaela s'est vraiment faite à sa nouvelle vie, puisqu'elle la considère vraiment comme son foyer, et je trouve ça plutôt intéressant de l'avoir montré dans l'épisode, puisqu'elle ne se considère plus vraiment comme la fille venant de Boston, mais vraiment comme une personne vivant à Colorado Springs, qui prend part à la vie commune et qui voit son avenir dans cette ville. Cet épisode permet également de traiter l'ancienne médecine, mais également l'évolution de la science qui surprend à plusieurs reprises les habitants. Par exemple, au début de l'épisode, Michaela doit faire une autopsie pour connaître les causes de la mort. Et évidemment, dans ce petit village reculé, les gens n'ont absolument pas l'habitude de ça et sont assez surpris. Et pareil avec l'opération de Lorraine, puisque c'est vraiment la première grosse opération qu'elle va faire dans la série. Et ici, sa place en tant que médecin est en jeu, puisque si elle ne réussit pas à sauver Lorraine, bah elle perdra toute sa crédibilité aux yeux des habitants, et donc c'est une scène relativement importante pour la suite. On voit les conditions dans lesquelles elle est obligée d'opérer, et franchement c'est un miracle qu'à l'époque, dans de telles conditions, certains médecins réussissaient vraiment leurs opérations, et pareil pour la transfusion sanguine, c'est vraiment un coup de chance incroyable. Et donc l'opération de Lorraine donne cette scène totalement surréaliste, où Horace suit l'opération et la commente pour tous les habitants qui la suivent de l'extérieur. Et c'est vrai que cette scène est assez marrante finalement parce que c'est une scène totalement surréaliste puisque de nos jours ce serait absolument pas faisable et inimaginable.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que c'est vraiment une scène qui aurait pu vraiment exister et qui a sûrement vraiment existé, parce que la médecine était quelque chose d'assez récent et finalement assez mystérieux pour les gens. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir montré cette scène comme ça, surtout que ça servira finalement les intérêts de Michaela, puisque ça lui permettra d'avoir de nouveaux clients qui lui font plus confiance par la suite, étant donné que toute la ville est présente et peut assister à son succès. Et le fait que Jake s'évanouisse durant l'opération, je pense que c'est absolument pas laissé au hasard, parce que malgré le fait que ce soit une scène hilarante pour les habitants de Colorado Springs, mais également pour les téléspectateurs, je pense qu'il y a un vrai message derrière, puisque ça montre vraiment que contrairement aux clichés que les gens pouvaient avoir à l'époque et que certains ont encore aujourd'hui, le métier de médecin n'est pas forcément fait pour tous les hommes, et finalement certaines femmes le réalisent beaucoup mieux que certains hommes. Cette scène est vraiment là pour montrer que les femmes sont capables, et même parfois plus que les hommes. Parce que, contrairement à ce que Jake pense, lui n'est pas médecin, il n'a pas fait d'études, et en plus, il ne serait pas capable de faire ce qu'elle fait. J'ai vraiment trouvé que cette scène était intelligente, parce que si vraiment on reste sur le premier degré, c'est juste une scène pour faire rire. Alors que si on prend la scène au second degré, c'est vraiment un message que la série veut faire passer. Et en parlant de Jake qui se prend pour un médecin, on a aussi la scène où il met un corset à Lorraine pour soigner sa hernie, alors que clairement ça va rien faire du tout si ce n'est empirer la chose. Et du coup ça montre vraiment la bêtise de l'époque où les gens soignaient des maux par des remèdes totalement sordides et qui n'aident absolument pas le patient. Et du coup c'est plutôt bien d'avoir montré ça pour pouvoir mettre en valeur après Michaela et montrer que les études sont utiles et que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a de mauvaises idées et que sa médecine ne vaut rien, au contraire. J'ai beaucoup apprécié les moments du quotidien où il ne se passe rien d'exceptionnel, mais où la série retranscrit les moments de vie que pouvaient avoir les gens au 19e siècle. Par exemple, les pique-niques qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la série, qui illustrent vraiment comment les gens se divertissaient à l'époque. Et je trouve que c'est vraiment l'un des gros points forts de la série parce que ça montre vraiment la vie quotidienne des gens en incluant les divertissements. Parce que oui, c'est important de montrer le travail, les difficultés et les enjeux de l'époque, mais c'est bien aussi de montrer des choses peut-être plus simples, mais qui montrent vraiment ce qu'était la vie à l'époque. Et je pense que ça contribue vraiment à la qualité de la série et au fait qu'on arrive vraiment à visualiser l'époque comme si la série était réelle. Et enfin, toutes les scènes centrées sur Colin montrent une préoccupation universelle, c'est-à-dire les tourments des adolescents qui sont retranscrits dans son personnage. Et ça soulève une question encore d'actualité aujourd'hui, la popularité d'une personne en fait-elle une personne plus intéressante que les autres ? Cet axe centré sur Colin permet également de montrer la relation entre Michaela et Colin qui se développe au fur et à mesure de la série, et finalement je trouve leur relation vraiment très belle. Et il faut bien dire que Michaela se débrouille vraiment bien pour quelqu'un qui ne connaissait rien. Elle est d'une douceur et d'une bienveillance qui fait chaud au cœur, et elle a toujours de bons conseils qui rendent leur relation magnifique. En revisionnant cet épisode spécialement pour la vidéo, je me suis vraiment rendu compte que c'était l'un des épisodes qui me rappelait pourquoi j'aimais la série. Je trouve que c'est vraiment l'un de ces rares épisodes qui est juste parfait et où il n'y a rien à changer. Alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'action et que les intrigues ne sont pas les plus incroyables de la série, mais je trouve que c'est vraiment un épisode tout en simplicité qui sert à l'évolution des personnages et qui permet de découvrir la vie quotidienne de l'époque tout en ayant des enjeux dramatiques. Et donc après plusieurs années sans voir cet épisode, je pense que je peux dire aujourd'hui que c'est l'un de mes épisodes préférés. Voilà, c'est tout pour ma critique et analyse de cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.